Eh bien salut à tous les amis, c'est Nagunarma et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre épisode sur Planet Base. On a été où? On a été que l'énergie ça avait l'air d'aller, c'est ça? Ouais. D'accord. Au niveau des lits, est-ce que ça va les lits? Combien j'en ai? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc ça fait 20, ça fait 30, 2, 34, 36, 38, 40, 42. Et ils sont 57, ouais. Va falloir une piole. Est-ce qu'on reçoit encore des colons? Non, c'est bon. D'accord. On va accélérer un peu le temps. Donc au niveau de la bouffe, on a vu qu'au niveau. Enfin que l'épisode précédent, c'était remonté. On était peinards, on a même fait un deuxième réfectoire et tout. Mais il va falloir faire. Déjà, un raccord ici. Voilà. Et on va faire un lit. Un dortoir, pardon. Un gros dortoir. On se fait un gros dortoir comme ça. Et on essaye d'en faire deux. On fera une salle par ici, puis on fera encore, enfin, on va faire surtout des pioles ici. Ouais, ça peut être pas trop mal, 38 de bioplastique, on est vraiment bien là. On produit plus trop de bioplastique lunaire. Et pas assez de... Pas assez de métal, à mon goût. En même temps, le métal, c'est pas de leur faute, c'est de la faute aux mines, ça arrive pas à suivre apparemment. D'où l'intérêt d'avoir les robots foreurs. Pour le méga entrepôt, c'est trop cher, beaucoup trop cher. Est-ce que j'ai le brevet des robots foreurs? Oui, je l'ai en plus. Deux robots. On est trois robots. On va partir sur 5 du coup. 5 robots, ça fera... Ouais, ça fera 3 robots foreurs. Et d'ailleurs, on va construire une plateforme de réparation de robots. Plus encore un truc, une plateforme, parce qu'il nous dit qu'on aura les robots. Ça va pas mal tourner. Pour l'instant, on va rester à 5 robots et ça va aller vite. Non, notre premier robot foreur. En service? Non. Pas encore. Donc les amis, il y a eu une petite ellipse, il y a eu une notification qui s'est mise, ça fait un peu le bazar. Alors on a été que bah, les pioles sont construites, voilà. Ça va augmenter le moral au moins quand ils vont venir dormir. Il y a des pièces méca, ça augmente, les médicaments ça augmente aussi. Je sais plus à combien j'avais dit la limite. Bon, j'ai des achats pour monter à 20, des médocs pour monter à 30, pas un souci. Non, rien. Rien du tout, pour l'instant tout se passe bien. Tout va bien. Là j'ai mon premier robot foreur, c'est pour ça augmenter la production de minerais, comme c'est le cas. Et sinon on va pouvoir retourner à plein régime. Ça va être bien. Là on a eu de la chance. On va peut-être commencer à accueillir d'autres colons. Alors combien j'avais dit? Ouais. Un peu d'ouvriers, ouais. 20 ouvriers, 1, 2, 3, 4, 8, 3 et 3, 6, ouais. 14, 6 en trop. Limite,
Je me tâte, est-ce que je refais une mine ou est-ce que... Ou est-ce que... Je refais un labo. Enfin... Une grande usine. Mais pour l'instant je me tâte, du coup je vais pas prendre de colons. Mais je garde dans l'idée qu'à un moment ou un autre on va recueillir des colons. Pour l'instant je vais essayer d'attendre un peu que les robots foreurs, s'ils arrivent à se créer. J'ai perdu la salle. Là on en manque de ce matériau là. Il faut juste des ingénieurs. Au moins on voit que mes lits sont occupés. Regardez aussi au niveau des gardes, il y en a 5 et 5 armés. Peut-être le moment de faire du métal et puis d'essayer d'avoir ouais, je pense que j'ai pas de métal, d'avoir un port spatial pour être intéressant. Pour l'énergie ça dit quoi? Pour l'énergie on voit qu'on a usé la première batterie mais que bah, produit suffisamment d'électricité la nuit pour la recharger en fait. Donc ça c'est bon. Consomme 137 d'énergie. Voilà. Le jour se lève. Est-ce que les panneaux solaires à eux-mêmes, 40. 50, ah, et celui-là aussi, donc 80 et 50, ça fait du 130, et encore 137, parfois un panneau solaire. Hein. Parce que le problème c'est que... Bah, c'est que si jamais j'ai pas de vent pendant une journée, puis pendant une nuit, bah, ça va se décharger tout doucement, et je vais vite me retrouver dans la merde. C'est pour ça qu'il me faut un panneau solaire, donc, par là je vais pas trop construire. Plutôt partir par là, donc là il doit y avoir les réserves. On va partir par là. Donc ça va me coûter 8. J'ai du mal avec ça. Vraiment un gros problème avec, avec le métal. Si je pouvais en acheter un peu, ça serait pas plus mal. Pour la bouffe ça va, alors par contre on va regarder un peu comment sont les repas. Repas burger, des pâtes, ouais. Repas salade, oui c'est très bien ça. Repas burger, tout ça, ouais donc c'est des repas variés. C'est bon ça. Un panneau solaire colossal. Je vais prendre ça déjà. J'ai bien laissé. Il peut
plastique contre du métal, c'est pas plus mal. Et si je fais des rimes, c'est pour la frime. Allez. Il y a là aussi. Je vais sortir par deux endroits. Voilà. Du coup, mon grand-père de sauver, je pense que ça va être bon. Ok, 3, c'est bon. Mon réparateur de robot, ben voilà. Il tient, j'en sais rien. Quand la barre d'état baisse, ça baisse l'intégrité en fait. Et ce qui est dommage, c'est que cette plateforme ne répare pas l'intégrité. En même temps, c'est un petit peu normal. Hein. Sinon, on se avec 10 robots, puis ça serait bon. Quoi. Mais grâce à ça, en fait, ça évite que ça baisse de trop en fait. Voilà, deux jours, ça produit pas mal. Donc ça, plus les 150. Franchement, on est bien. Du coup, peut-être pouvoir commencer le grand projet de port spatial. Qu'on va mettre... En fait, je vais m'arrondir par là et par là. Du coup, si je peux me servir d'ici pour... Ouais. Cassas... Sur l'arrondissement, c'est tout, on verra autrement. Ouais, on va faire ça du coup 138 un peu de ça, 7 game je garde, ouais, ça. Voilà. Voilà. Elle va m'aider à construire tout ça. Pour l'eau. Ah, l'eau, par contre, comment c'est juste. Comment vraiment est juste. C'est un projet, on va faire ça juste après. Ça va être construit, ça s'en attend, 9. Infirmerie, ça se passe bien. Ici c'est fini. On va partir sur du robot pareil forer. Thank you.
clairement un problème avec la mutale. Et pour ça, il y a soit j'augmente l'apport en minerai, c'est une nouvelle mine, mais bon, je pense pas que j'ai suffisamment employé pour la faire tourner. Il y en a qu'un, puis il y en a que deux. C'est pas grave, on va faire autrement. Si, tiens, je te rends un peu d'amidon. J'en ai les 20. Les 15 sera bien. 85 là. Voilà, on va donc commencer à accueillir des visiteurs. Et je sais ce qu'on va construire ensuite. On va se concentrer sur antenne radio, le panneau de pub. Le panneau de pub, ça coûte rien. On va faire un grand panneau de pub, toujours intéressant. Et après, on va faire le télescope, l'antenne radio. Monite, on fera plus tard, on va pas de moyens. Et on va faire un grand extracteur d'eau. Par contre, la chaîne improbable, quoi. Il y a une météorite qui tombe ici, tout ça, ça sert plus à rien. Alors là, il va falloir assurer, faire gaffe. Et on pose des gardes qui est ici, assez loin de la zone. Il en construit un deuxième ici en fait. Si. Il suffit qu'on va courir entre là, bah, tout de suite elle pose de garde qu'elle a quoi. Niveau de ça, bah, je suis tranquille. Ça aussi. Il y en a le premier vaisseau de visiteurs qui arrive. Direct, t'es pas content d'avoir une bière. Allez, ça va remonter. Du coup, ça va demander un petit peu plus d'armes. Semi-conducteur va demander 3, ouais. Vaisseau marchand, alors ça c'est un gros vaisseau marchand. Je tourne ça. 30-10, vaisseau 50. Un échange de bioplastique. Plante médicinale. Un peu d'amidon. Ah, c'est bon, t'en as sec. Ah bah ça bosse bien les donc. Au niveau de la production, alors on regarde un peu les courbes. Pour la nourriture, c'est en légère chute. Ça, ça reste relativement stable. Et les repas, c'est stable. La bière, c'est pas très important. Pour ce qui est de la production de ça, on en baisse. Métal, là, c'est voilà, on pique. L'amidon. Ça, c'est bon. Le médoc, par contre, a son expansion, je suis sûr. Ah non, même pas. Pas de problème. Qui pour l'argent? D'accord. Ça va, tout va bien. Bon, bah voilà. J'ai mes minerais, on pourra les traiter.
Après, je trouve que c'est pas trop mal. Là, on est parti pour sur une bonne base. Pour la bouffe, on est bon. Hein. Niveau viande, ouais. Et voilà, on commence même à rentrer un petit peu d'argent. Dans ce poste de garde là, je fais ça. Ah, c'est pas le choix, c'est pas grave. Ça, du coup, je vais avoir ça. Ça, voilà. Visiteurs, il y en a deux. Faites comme chez vous, surtout moi. Brevet de robot constructeur. Oui, je peux. 280. Tiens, voilà un peu de ça. On est pour 80. Ah, ça fait beaucoup là. Plutôt la place. Toi, je sais que les visiteurs s'emmènent de l'argent, donc plus j'aurai de prestige, mieux ça ira. Oh, plus de pièces de... Oh, ça c'est pas bon ça. Alors arrêtez de construire. J'ai plus de projet pourtant. Non mais c'est bon, ça va se faire. Pour charger, non? Tu veux du métal toi? Ah d'accord, le facteur d'eau n'a pas encore été fait. Ok. Alors, brevet robot obtenu. Ça c'est bon ça. Ça c'est bien les amis. Aïe, ça va se construire. Oui je sais, on va en avoir. Parce que je vois pas tapé un peu loin dans la réserve, j'ai l'impression. Beaucoup là quand même. Là ça suffit plus mes années depuis du tout. Hein. Boum, de la chance. 35 de thunes, ça c'est fini. Allez, faites des pièces les amis. Et bon, c'est parti. Pareil, il y a deux visiteurs. Par contre, l'électricité, ouais, c'est tendu là, en fait. C'est super tendu. Bon, au moins, on sait que les batteries servent à tenir une nuit. 120, quasiment. Ou presque 120. Les panneaux solaires, ouais, ok, ils suffisent. Juste ce qu'il faut. Quand ta vitesse ça descend par rapport à la vitesse ça monte. 80 et 50. Ça fait 130. Ouais, on a 100. Ouais, c'est pas terrible non plus. Hein.
Ouais, va falloir régler ça très vite. Il faut du métal. Ils sont pas tout le temps utilisés en fait. Mais j'attends qu'il y ait un peu de pièces mécaniques quand même qui arrivent. Ah ouais, mais là c'est la merde en fait. Parce que s'il n'y a pas de vent cette nuit, même s'il y a du vent. Ah putain, ça va pas là. Continue fort comme ça, c'est bien. Du saut marchand, ok. Et là-haut, du saut visiteur. La petite ville prospère tranquillement. Mais bon, là, j'ai pas calculé le coût de tout ça, là, tout ce que j'ai construit, puis surtout ça, quoi. 33 d'électricité, tu vois pas? C'est ça qui me fout dans le jus, quoi. Entre parenthèses, ça va, je l'ai vu à temps. Ouais, faut construire maintenant les gens. Je sais, je sais. Non, t'as pas envie? Ok, pas fini. Ça vient déjà un peu plus intéressant. Il va falloir faire du panneau solaire aussi. Hein. Puis de la réserve, quoi. Combien ça coûte une réserve? J'en fais plus 4. Ça. 4, donc 5, 10, 15, ouais. Ah, donc là je suis de 250 avec les éoliennes. Plus celle-là en fait, j'ai pas compté, mais on a 300 avec celle-là. D'accord, il y a du vent. Comme là. 300 électricité, c'est bon ça. Non, pour l'instant l'électricité, on va dire que c'est ok. La bouffe, c'est ok. Les médicaments, c'est ok. Les pièces méca, ça se fait tranquillement. Pour l'instant, l'alcoolisé, il n'y a pas beaucoup, mais bon, ça suffit pour ce qu'il y a. Pour l'instant. On arrive même à avoir un peu d'armes. Je sais pas pourquoi elles sont stockées, je sais pas ce qu'elles sont là, mais... Ouais, voilà. Parce que les autres, ils les ont sur eux. C'est ok. Production de métal, bon, limite, mais bon. Ça va se faire. C'est où les robots foreurs? Pour l'instant c'est pas mal, je trouve que pour cet épisode 9, franchement c'est pas trop mal. On n'est pas vraiment en danger à vrai dire, même au contraire on est plutôt bien. Ça prospère. On a de la bouffe, même pas un niveau bouffe, on est vraiment tranquille. Parce que de toute façon on n'a pas recueilli de colons entre temps, mais bon, on est stable. On n'est pas en progression mais on est stable, voilà, on est à 40-41. C'est-à-dire que si j'accueille quelques colons en plus, notamment des ouvriers comme je vais le faire d'ailleurs, puis le reste d'ailleurs, ben il va leur falloir peut-être un peu de bouffe,
parce que ça risque de redescendre doucement. Donc à prévoir. Voilà. Donc là j'ai eu 3 ouvriers. Ah non, c'est des visiteurs. D'accord, on comprend. Alors donc ça c'est du méchant. J'ai un garde dans le combat. Du coup, j'ai perdu son arme. Ou alors elle me revient aussi. Je sais pas. C'est une bonne question, ça. Spécialisation. Spécialisation garde, repousse les intrus, préférence armée afin de vie. Ouais, d'accord. Lorsqu'une arme est prête, d'accord, ouais ok, donc c'est toujours mieux d'avoir des armes en stock quoi. Ok, ça marche. Du coup voilà. Des visiteurs. Non, j'ai quoi là, j'ai un poste de garde ici. Bon, il n'y a que s'ils rentrent ici. Mais bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc pour cet épisode, on va s'arrêter là. Niveau électricité, on est bien. On n'est pas encore bien au niveau des panneaux solaires, ce qui est normal. C'est très dur un panneau solaire, il faut plein pour très peu d'énergie. Les éoliennes, elles tournent à foison. On va reconstruire quand même la petite ceinture au cas où. C'est jamais. Les pièces, ça augmente. L'argent, ça augmente. Les gens, ça augmente un peu aussi, je crois. Ouais, un petit peu. Donc voilà, voilà. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à très bientôt dans le prochain. Salut tout le monde.